Je m'appelle Elisabeth et je vais vous préparer la recette des soufflés au fromage frais. Donc la première étape est de préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Ensuite, étape suivante. Dans un saladier, fouettez les jaunes d'œufs avec le sucre. Donc, séparer le blanc des jaunes. C'est toujours un peu délicat, mais il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas du tout de jaune dans le blanc, sinon ça ne monte pas. Il y a cassage de jaune, je ne vais pas la blâmer, ça m'arrive une fois sur deux. Alors, le sucre. Voilà. Étape suivante, on incorpore la farine. Avec un papillon comme ça sur la poitrine, on ne peut pas louper la recette de toute façon. On incorpore ensuite la crème. C'est des pitchounes, hein, les cuillères à soupe d'Elisabeth. On sent qu'elle n'a pas envie de prendre du poids. Hein. Il faut que ce soit une recette light. Et les zestes de citron. Donc on incorpore les fromages frais de deux sortes différentes. Et on mélange. On essaie que la préparation soit homogène. Donc ne pas hésiter à bien mélanger. Voilà. Étape suivante. Beurrer et sucrer 6 petits ramequins à bord haut. Fouettez les blancs en neige et incorporez-les. On ajoute le sucre. Elisabeth, elle a la main très légère sur le sucre et la crème. Étape suivante. Fouettez les blancs en neige et incorporez-lui. C'est parti. Ça devrait aller. Donc, on incorpore délicatement. On me demande si les blancs sont assez montés, mais bon, pourquoi pas. À l'aide de la spatule en bois. Voilà. Étape suivante. Répartir la préparation dans les moules et ajouter une râpée de noix de muscade sur le dessus. Moi qui cuisine avec mon ordinateur devant moi, je me rends compte que c'est quand même vachement plus simple avec la console. Hein. Voilà. Et la noix de muscade. Ça va être muscadé, hein. Pas beaucoup de sucre, pas beaucoup de crème, mais beaucoup d'épices. Femme de caractère. Voilà, à présent, les petits soufflés sont prêts à être enfournés. Le four est bien chaud. Et c'est parti pour 15 minutes. Ta-ta-da-dum ! Suspense ! Ah, ils sont bien dorés. Ils sont bien dorés, ils sont... Le cramouillé. De beaux petits soufflés. Rien à dire, vraiment, à part que ça donne envie de se mettre à table.